Coucou. Je dirige Le Cabri depuis 2010. Le Cabri commercialise des structures modulaires démontables, c'est-à-dire des sortes de gros chapiteaux, mais à usage essentiellement industriel, puisqu'on travaille, nous, sur des applications de stockage ou d'ateliers provisoires. Mais vous voyez aussi nos structures en grande distribution pour tout ce qui est opération de vente temporaire. On a le projet de s'internationaliser. On est déjà présent en Espagne, mais on réfléchit aujourd'hui à ouvrir d'autres pays. Le Cabri est membre du MEDEF, mais aussi de la CPME. On est beaucoup plus actif au MEDEF, parce qu'on est présent depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est un réseau, hormis le côté syndical, qui finalement nous intéresse peu, mais c'est un réseau qui est assez intéressant parce qu'il fait rencontrer les chefs d'entreprise, ça crée des échanges, des liens, et ça permet de communiquer avec d'autres patrons, échanger sur les pratiques, échanger sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou que moi j'ai pu rencontrer, et c'est assez enrichissant. Ça me permet de rencontrer beaucoup de gens, de faire un peu de business quand même, pour être honnête, mais c'est vrai que l'idée première, c'est pas celle-là. C'est qu'effectivement, ça permet vraiment d'échanger et plutôt de réfléchir sur son propre business que d'essayer de faire des affaires directement. Mais bon, de temps en temps, en fait, ça fait toujours plaisir. Je suis assez humaniste, donc j'aime bien les gens. C'est ce que je cherche dans ces réseaux, c'est le contact. Qui après peut se transformer en affaires, évidemment, mais c'est d'abord le contact pour échanger et puis progresser, quoi, essayer toujours d'aller plus loin.